Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le dernier tag, le tag numéro 3 sur 3. Je vous ai déjà posté les deux premiers tags. Donc le premier tag de mercredi qui était mon copain a-t-il le droit? Et le deuxième tag que j'ai posté hier jeudi qui était 25 questions pour mieux me connaître. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on fasse ensemble le tag as-tu déjà? Donc on commence sans plus tarder avec la première question. As-tu déjà fait de l'équitation? Alors de l'équitation, non. Je suis déjà montée sur un cheval parce que ma soeur qui, elle, faisait de l'équitation. Un jour, j'y suis allée avec elle et donc je suis montée sur un cheval. Et d'ailleurs, comment vous dire que j'avais juste super peur. Le cheval, il était super haut. J'étais accrochée à, comment on appelle ça, le... Enfin, les deux lanières, là, je sais même pas comment on appelle ça. Mais j'étais accrochée, mais crispée, comme pas possible. J'avais super peur. As-tu déjà... Ah non, là, ça serait plutôt... T'es-tu déjà battu avec quelqu'un? Non, je me suis jamais battue. Un jour, je m'engueulais avec un gars. J'ai voulu lui mettre une claque. Mais il était du coup plus rapide que moi. Il s'est reculé. Et ça fait que j'ai mis une claque à ma meilleure amie. As-tu déjà triché à un contrôle? Bah évidemment, oui, tout le monde a déjà triché. Et quand j'étais au collège, les contrôles où je trichais le plus, c'était en cours de musique. Parce que à chaque fois, on pouvait être sûr que je me ramassais un zéro. Je comprenais rien. Je sais même pas comment les gens y faisaient pour avoir la moyenne. Au contrôle de musique, c'était... Je comprenais pas ce qu'on devait faire. As-tu déjà embrassé quelqu'un du même sexe? Non, je crois pas. En tout cas, si j'ai embrassé quelqu'un, c'était vraiment peut-être juste un smack. Mais sinon, non. As-tu déjà été viré de cours? Viré de cours, non. J'ai carrément été viré une journée du lycée. Mais viré de cours, non, jamais. As-tu déjà flashé sur un prof? Flashé grave, non. Après, je me souviens qu'en BTS, mon prof d'économie, je le trouvais beau. Mais de là à dire que j'avais flashé sur lui, non, juste il était beau quoi. As-tu déjà piqué quelque chose dans un magasin? Alors oui, j'ai déjà piqué quelque chose. Et d'ailleurs, j'étais grave en stress. Je devais transpirer, je sais même pas comment les vigiles, les caissières et tout, ils ont fait pour pas me redirect. Mais j'ai piqué en plus un truc tout con. Un chouchou que j'ai enfilé à mon poignet. J'ai repassé du coup mon pull, enfin la manche de mon pull par-dessus. Donc ça se voyait pas du tout, mais vraiment ça se voyait juste à mon visage que j'avais fait un truc que j'avais pas le droit de faire. En plus c'était un chouchou peut-être qui coûtait 1 €. Je me rappelle c'était à Action, donc c'était vraiment pas grand-chose. Mais c'est la première fois que j'ai piqué un truc et je crois que ce sera la dernière. Parce que j'étais sur le point de faire de la tachycardie tellement j'étais en stress. T'es-tu déjà endormi en cours? Non. Endormi, non.
Après, oui, j'étais fatiguée. On a tous fait qu'on met nos bras sur la table, notre tête dedans, tout ça, on l'a tous déjà fait. Mais vraiment, m'endormir, non, ça m'est jamais arrivé. As-tu déjà séché les cours? Oui, plein de fois. Surtout en dernière année de bac. Bah, l'année où d'ailleurs j'ai eu mon fauteuil roulant, du coup avec ma meilleure amie on pouvait un peu se promener du coup de partout. Et bah on se barrait du lycée, on partait en ville pour faire les magasins ou même parfois on prenait le train et on partait carrément à Lyon. Ah, c'était le bon vieux temps. T'es-tu déjà teint les cheveux? Donc oui, je me suis décoloré les cheveux en blanc quand j'avais les cheveux décolorés. Je les ai teints en rose et ensuite je les ai teints en orange néon. As-tu déjà mangé un paquet d'Oreo en une seule fois? Non, alors ça risque pas d'arriver parce que vraiment j'ai horreur de ces gâteaux. Les Oreos, je comprends pas les gens qui trouvent ça super bon, qui kiffent les Oreos. Moi, je trouve ça juste dégueulasse. As-tu déjà pleuré dans ton lit avant de dormir? Donc oui, évidemment, qui n'a pas déjà pleuré dans son lit? As-tu déjà fumé? Fumer, vraiment fumer, genre tous les jours et tout. Non, je fume pas. Mais oui, j'ai déjà essayé. Et c'est quelque chose que j'aime pas, donc que je recommencerai pas. As-tu déjà été collé? Oui, j'ai déjà été collé une seule fois, mais pas parce que j'avais fait une connerie. J'ai été collée parce que j'avais eu une mauvaise note, enfin plutôt une succession de mauvaises notes. Du coup, la prof a décidé de me coller. Es-tu déjà tombée amoureuse? Il me semble que cette question, elle était déjà dans le tag d'hier. Et j'avais répondu et je répondrai toujours la même chose. Oui, malheureusement. As-tu déjà uriné dans la piscine? Évidemment. As-tu déjà voyagé à l'étranger? Oui. Alors, je suis allée une fois en Espagne. J'avais genre peut-être 12 ans. Je suis partie en Espagne chez une copine et il y a 2 ans je suis partie une semaine au Maroc et l'année dernière une semaine au Maroc également et j'aimerais trop y retourner cette année mais à mon avis c'est raté. As-tu déjà eu ton brevet? Enfin, as-tu ton brevet? Oui, j'ai mon brevet sans mention. As-tu ton bac? Oui, j'ai mon bac sans mention. Et j'ai aussi mon BTS pour ceux que ça intéresse. Et la dernière, as-tu déjà été vraiment bourré? Alors, j'ai jamais été bourré de ma vie. Et encore moins vraiment. Les seules fois où j'ai titubé en marchant, c'était à cause de la maladie. Donc voilà, c'est la fin de ce tag et la fin de ces tags. Donc si parmi toutes ces questions, vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu, posez-les-moi en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a un petit peu occupé de regarder ces vidéos. Moi, en tout cas, ça m'a occupé un petit peu de les filmer. Donc là, je vous dis pas à demain parce que donc il n'y aura pas de vidéo, mais je vous dis à dimanche 17h. Bisous!